Quand je suis arrivé sur la propriété, on avait 2,5 hectares de vin blanc. Aujourd'hui, on en a 8 sur 30. Et le but, c'est de pouvoir augmenter ce volume puisqu'on fait des vins de meilleure qualité en blanc qu'en rouge sur notre terroir et sur notre propriété. Julien, l'heureux propriétaire du domaine ici, donc on est au Château Ferrand, appellation Entre-deux-Mers. Nous sommes une propriété familiale. J'ai hérité ça donc de mes parents. La biodynamie, une conviction de mon père, et est depuis 2005, la bio depuis 1998. Ça rejoint nos valeurs, c'est-à-dire respect de l'environnement, respect du vivant, de l'être, que ce soit végétal ou animal. Et en plus, on a un domaine qui s'y prête parce qu'il fait 30 hectares d'un seul tenant avec les bois qui nous entourent. Donc c'est le lieu idéal pour pratiquer la biodynamie. Le vin blanc à Bordeaux est en proportion réduite par rapport au vin rouge. Et ici, on est dans une aire d'appellation qui est donc l'Entre-deux-Mers, et nous, plus précisément, l'Entre-deux-Mers au Benauge. Des terres qui sont propices à faire du vin blanc, car on a des sols beaucoup plus calcaires, avec un côté très minéral qui se retrouve dans nos vins blancs. Et l'avantage de l'Entre-deux-Mers, c'est que c'est un vin où on a la possibilité d'avoir plusieurs cépages. Nous avons les 4 sur la propriété. Nous créons un vin blanc où ces 4 cépages sont assemblés. Et on retrouve vraiment ce côté iodé et minéral qui est très caractéristique du moins de l'appellation.